Charlène de Monaco a-t-elle dit toute la vérité concernant son voyage en Afrique du Sud, en mars dernier? Elle était officiellement partie pour assister aux funérailles du roi des Zoulous. Elle avait ensuite prolongé son séjour en raison d'une mission humanitaire contre le braconnage. Mais alors que son mari Albert II s'attendait à ce qu'elle rentre enfin, la maman de Jacques et Gabriel a fait savoir que ce ne serait pas pour tout de suite. La raison? L'ancienne nageuse aurait été victime d'une infection de la sphère ORL, qui l'empêcherait pour le moment de prendre l'avion. Une excuse qui ne convainc pas les foules, lesquelles pensent plutôt qu'il y a de l'eau dans le gaz entre la princesse et son époux. D'autres encore avancent l'hypothèse selon laquelle la belle blonde aurait subi une énième opération de chirurgie esthétique. Une théorie qui vient d'être renforcée par la publication d'une vidéo où son visage semble transformé. Toujours en plein exil, Charlène de Monaco a accordé une interview filmée à Mandy Winnet, retranscrite par le Daily Mail. L'occasion de revoir le minois de la princesse après de longs mois à l'abri des regards. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son visage a bien changé. En effet, celui-ci semble comme boursouflé à certains endroits. Sans compter sur ses lèvres, qui donnent la sensation d'avoir été gonflées. Une impression que partagent de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. La princesse de Monaco n'a toutefois pas dit un mot concernant une potentielle chirurgie esthétique, préférant adresser une tendre pensée à ses jumeaux. « C'est la période la plus longue où je me suis absentée de l'Europe. Sans parler de mes enfants, mais je les vois sur FaceTime presque tous les jours et ils viendront me voir après ma procédure. » A conclu l'épouse du prince Albert II, qui ne devrait pas être de retour sur le rocher avant encore trois longs mois.